Egzamin maturalny z języka francuskiego. Rozumienie ze słuchu. Poziom podstawowy. Wysłuchaj dokładnie informacji dotyczących tej części egzaminu. Rozumienie ze słuchu trwa 20 minut i składa się z trzech zadań. Zadania te sprawdzają umiejętność rozumienia wypowiedzi rodzimych użytkowników języka francuskiego. Usłyszysz nagranie, które zawiera Zarówno teksty, jak i instrukcje do wykonania zadań. Każdy tekst zostanie odtworzony dwa razy. Na płycie przewidziane są przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz ich rozwiązanie. Sygnalizowane dźwiękiem. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz natomiast dźwięk. Rozwiązuj poszczególne zadania. Zgodnie z poleceniami, w trakcie słuchania tekstów oraz w trakcie trwania przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze: Przeczytaj uważnie polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Plus de 2 millions de personnes sont attendues ce week-end et jusqu'à lundi sur les Champs-Élysées qui changeront leur aspect ordinaire pour présenter la production agricole, l'élevage et la forêt française. Nommé Nature Capital, l'événement a pour but d'informer le grand public sur ce qui se passe à la campagne. Sur une centaine de parcelles de terre installées sur les Champs-Élysées, des membres de l'Association des jeunes agriculteurs seront prêts à parler aux visiteurs. Vos, vaches, cochons, chèvres, moutons, les animaux ne sont pas oubliés, même s'ils ne seront qu'en petit nombre. Il s'agit de présenter des bêtes peu connues, comme par exemple une race de porc ancienne dont la viande est recherchée pour préparer les plats des grands chefs cuisiniers. Un marché de produits locaux sera aussi proposé aux promeneurs en bas de l'avenue, à la hauteur du Grand Palais. La manifestation, dont l'entrée sera gratuite, se passe au moment où le secteur agricole est confronté à une crise profonde et quand on discute une nouvelle loi sur l'agriculture. Elle a lieu 20 ans après un autre événement, la Grande Moisson, également organisée par l'Association des jeunes agriculteurs. Pour cette édition, le budget s'élève à 4,2 millions d'euros. Plus de 2 millions de personnes sont attendues ce week-end et jusqu'à lundi sur les Champs-Élysées qui changeront leur aspect ordinaire pour présenter la production agricole, l'élevage et la forêt française. Nommé Nature Capital, l'événement a pour but d'informer le grand public sur ce qui se passe à la campagne. Sur une centaine de parcelles de terre installées sur les Champs-Élysées, des membres de l'association des jeunes agriculteurs seront prêts à parler aux visiteurs. veau vaches, cochons, chèvres, moutons, les animaux ne sont pas oubliés, même s'ils ne seront qu'en petit nombre. Il s'agit de présenter des bêtes peu connues, comme par exemple une race de porc ancienne dont la viande est recherchée pour préparer les plats des grands chefs cuisiniers. Un marché de produits locaux sera aussi proposé aux promeneurs en bas de l'avenue, à la hauteur du Grand Palais. La manifestation, dont l'entrée sera gratuite, se passe au moment où le secteur agricole est confronté à une crise profonde et quand on discute une nouvelle loi sur l'agriculture. Elle a lieu 20 ans après un autre événement, la Grande Moisson, également organisée par l'Association des jeunes agriculteurs. Pour cette édition, le budget s'élève à 4,2 millions d'euros. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Zadanie drugie przeczytaj uważnie polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. 1. Monsieur, vous souhaitez perfectionner vos compétences professionnelles dans notre agence de tourisme pendant le mois de juillet prochain. Nous vous invitons à nous rendre visite le 24 mai à 15h pour parler du programme de cette formation. Paul Dupré, directeur. 2. Tu sais, Pauline a 20 ans samedi prochain. On lui prépare une petite fête surprise et ça nous ferait plaisir que tu viennes. Il faudrait acheter quelque chose à manger et penser à un cadeau, un livre, un CD, par exemple. Appelle moi pour en discuter. Bise, Natacha. trois Bonjour, je suis Monsieur Masson de votre banque. Pouvez vous me rappeler au sujet de votre carte bleue? Demain je suis au bureau de huit heures à midi et de quatorze à dix-sept heures. Merci. 4. Salut Julie, c'est Anne-Marie. Est-ce que tu peux me prêter ton livre de biologie J'ai oublié le mien chez Vincent. Téléphone-moi pour dire à quelle heure je peux passer chez toi pour ne pas te déranger. 5. Ici Tante Alice. Voilà, j'ai enfin des nouvelles de ta cousine. Delphine est dans le service du docteur Roux. Elle a un beau garçon. Si tu veux la féliciter, tu peux lui téléphoner avant 21h. Elle est très fatiguée, mais elle va bien. Bonsoir. 1. Monsieur, vous souhaitez perfectionner vos compétences professionnelles dans notre agence de tourisme pendant le mois de juillet prochain. Nous vous invitons à nous rendre visite le 24 mai à 15h pour parler du programme de cette formation. Paul Dupré, directeur. 2. Tu sais, Pauline a 20 ans samedi prochain. On lui prépare une petite fête surprise et ça nous ferait plaisir que tu viennes. Il faudrait acheter quelque chose à manger et penser à un cadeau. Un livre, un CD, par exemple. Appelle-moi pour en discuter. Bise, Natacha. 3. Bonjour, je suis Monsieur Masson de votre banque. Pouvez-vous me rappeler au sujet de votre carte bleue? Demain je suis au bureau de 8h à midi et de 14 à 17h. Merci. 4. Salut Julie, c'est Anne-Marie. Est-ce que tu peux me prêter ton livre de biologie J'ai oublié le mien chez Vincent. Téléphone-moi pour dire à quelle heure je peux passer chez toi pour ne pas te déranger. 5. Ici tante Alice. Voilà. J'ai enfin des nouvelles de ta cousine. Delphine est dans le service du docteur Roux. Elle a un beau garçon. Si tu veux la féliciter, tu peux lui téléphoner avant vingt et une heures. Elle est très fatiguée, mais elle va bien. Bonsoir. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Zadanie trzecie Przeczytaj uważnie polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Mâcher du chewing-gum peut-il rendre intelligent Dans une des écoles bretonnes, on nous assure que la gomme à mâcher est bonne pour la concentration. Depuis deux ans, le directeur d'une école de Bretagne teste ce système. Personne n'est obligé de mâcher, mais cela aide les enfants à se concentrer et diminue leur stress, surtout pendant les contrôles écrits, précise Hugues Dash, qui dirige cette école publique depuis cinq ans. Pour lui, la condition élémentaire de l'apprentissage, c'est la joie. Les enfants doivent venir à l'école sans peur, s'y sentir bien, et l'environnement doit être acceptable pour eux. Son école, dans un petit village, est fréquentée par 70 élèves âgés de 6 à 10 ans. Ce projet, accepté par les autorités régionales, se base sur des conclusions de certaines études scientifiques, qui précise que mâcher du chewing-gum stimule l'activité intellectuelle et peut aider à augmenter l'attention et la concentration. En plus, mâcher du chewing-gum sans sucre améliore l'hygiène de la bouche et des dents, surtout après les repas. Pour respecter le savoir-vivre de la société civilisée, le directeur de l'école a précisé deux règles strictes. Mâcher la bouche fermée et jeter le chewing-gum dans la poubelle. Sur les murs de la classe, il y a de petites affiches décorées, de photos, de petites poubelles pour rappeler ces exigences. Tous les enfants respectent les règles. Personne ne fait de bulles. Les enfants mâchent de manière très disciplinée. Et personne ne colle son chewing gum sous les tables. Les professeurs et le directeur lui-même mâchent aussi. Du côté des parents d'élèves, personne ne s'y est opposé. Mâcher du chewing-gum peut-il rendre intelligent Dans une des écoles bretonnes, on nous assure que la gomme à mâcher est bonne pour la concentration. Depuis deux ans, le directeur d'une école de Bretagne teste ce système. Personne n'est obligé de mâcher. Mais cela aide les enfants à se concentrer et diminue leur stress, surtout pendant les contrôles écrits, précise Hugues qui dirige cette école publique depuis cinq ans. Pour lui, la condition élémentaire de l'apprentissage, c'est la joie. Les enfants doivent venir à l'école sans peur, s'y sentir bien, et l'environnement doit être acceptable pour eux. Son école, dans un petit village, est fréquentée par 70 élèves âgés de 6 à 10 ans. Ce projet, accepté par les autorités régionales, se base sur des conclusions de certaines études scientifiques qui précisent que mâcher du chewing-gum stimule l'activité intellectuelle et peut aider à augmenter l'attention et la concentration. En plus, mâcher du chewing-gum sans sucre améliore l'hygiène de la bouche et des dents, surtout après les repas. Pour respecter le savoir-vivre de la société civilisée, le directeur de l'école a précisé deux règles strictes. Mâcher la bouche fermée et jeter le chewing-gum dans la poubelle. Sur les murs de la classe, il y a de petites affiches décorées de photos, de petites poubelles pour rappeler ces exigences. Tous les enfants respectent les règles. Personne ne fait de bulle. Les enfants mâchent de manière très disciplinée et personne ne colle son chewing-gum sous les tables. Les professeurs et le directeur lui-même mâchent aussi. Du côté des parents d'élèves, personne ne s'y est opposé. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął. Sprawdź, czy wszystkie rozwiązania zostały przeniesione na kartę odpowiedzi. Następnie przystąp do wykonywania pozostałych zadań.